d'arriver où le peuple congolais doit se mettre face à sa conscience. Awa tozali koswa na peko bunda. Bamboka mosusu bazali ko se développer. L'union fait la force. Yeah. Le bac de passage de Zongo, une promesse tenue du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la population de cette ville du Grand Équateur dans le sud Ubangi. Cette dernière avait exprimé ses vives préoccupations d'assurer la traversée des biens, vivres et marchandises entre la cité riveraine de Zongo et la ville de Bangui en République centrafricaine au chef de l'État lors de son bref séjour dans cette partie du territoire national. Chose promise, chose due. Le BAC sera bientôt opérationnel à Zongo. Le président de la République est venu s'assurer personnellement de l'évolution des travaux de construction de ces ponts mobiles par des ingénieurs de la firme Oriental Road and Construction, travaux qui sont au stade de finition. Il s'agit d'un projet intégrateur doté de deux groupes propulseurs et d'une capacité de 50 tonnes. Ce BAC pourra garantir le passage vers la RDC des camions remorques venant de Douala au Cameroun via Bangui en République centrafricaine. Zongo et Bangui, ces deux villes qui sont connectées à la transafricaine qui mène vers Douala, vers le Nigeria au niveau de Lagos et même au Togo. Et donc il y a des poids lourds qui pourront venir désormais de ces ports-là, des grands ports, jusqu'à atteindre Guémena. Mais également, nos compatriotes de Guémena pourront transporter leurs marchandises par camion, porte-char, jusqu'à amener la marchandise à ces ports-là. Donc, ça va encourager le trafic commercial entre Zongo et Bangui, qui sont des villes frères où le trafic existe maintenant, mais malheureusement, les véhicules ne peuvent pas traverser parce que tout se fait par pirogue. Les messages, c'est d'abord un message de gratitude auprès du chef de l'État, qui même dans des moindres détails, il suit des projets qui rendent la vie facile à la population et c'est une mise en œuvre véritable de sa vision, les peuples d'abord. Après les explications du DG de ORC, le président de la République est allé s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de ce bac qui sera remis à la population dans les tout prochains mois. L'on a noté la présence à cette cérémonie du ministre du Commerce extérieur Lucien Boussa, du gouverneur du sud Ubangi et de quelques DG respectivement de l'Office de route et de la DGDA.